Zaychronique, bonsoir. Ben, c'est parti pour une heure d'émission. Aujourd'hui, on reçoit deux artistes de la scène. On aura DJ, on aura une artiste, une jeune artiste, dancehall féminin. On a Maureen qui est là parmi nous. Sinon, c'est la dernière de l'émission chocolat. Aïe, 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 les larmes vont couler, chocolat. Enfin, je vais respirer pendant 2 mois. Je tiens à vous le dire, je vais avoir la tête de chocolat pendant un mois, enfin. Non, je l'embête. Chocolat qui est là en mode coccinelle, chocolat, rouge et noir. Exactement. Comment vas-tu, chocolat? Moitié deuil, moitié la joie. Ouais. Exactement. Non, c'est le diable. Tu représentes tout ce que tu as fait pendant la nuit. La diablesse. Voilà, j'ai dit la coccinelle. Tu sais, pour transformer le truc. Non, elle est en diablesse. Voilà, cette année, elle a bien résumé. Mais non, c'est pour marquer le dernier. Ils ont la DR de la saison. Bon, on reviendra évidemment au mois d'octobre avec une nouvelle équipe, avec un nouveau programme, avec plein de nouvelles choses. Mais aujourd'hui, c'est la DR, donc on va essayer d'écraser. Vous allez pousser tout à l'heure vos meubles avec DJ Mazza. On fait la fête. Voilà. Sinon, chocolat, comment vas-tu? Ça va. T'as passé une bonne semaine? Oui. Miss Découverte. Queen Miss Découverte, ça finit. Découverte, c'est la rentrée scolaire. Même là, t'es dans les bouquins et tout. Exactement. Le sport, Tania a commencé à mettre tes objectifs pour la rentrée. Je t'ai dit, le sport, le 1er septembre, je suis à la salle à 6h du matin. On verra ça. Donc du coup, t'as prévu de faire quoi pendant cette période d'absence-là? On va pas se voir pendant un mois. Alors, au mois de septembre, j'ai décidé déjà de faire une cure de vitamines. Ok. De dormir, ça c'est pour moi le plus important parce qu'après l'amusement... On a pris des mauvaises habitudes, on a fait la grasse matinée, on a abusé sur certaines boissons. Mm-hmm. Donc là, c'est une cure. En septembre, c'est dormir, vitamines, sport, et puis l'équilibre alimentaire de base. Voilà. Donc autour de la table, on a avec nous la belle et talentueuse Maureen. Maureen, bonsoir. Comment vas-tu, Maureen? Bonsoir. Ça va et toi? Ça va bien. Comment te sens-tu? Je la vois très à l'aise. Elle est là parmi nous. Elle est là. Ça nous fait plaisir. On est là. Ben, Maureen... N'en dis pas plus, tu seras avec nous. On va bien t'assaisonner. On va te poser une tas de questions. On veut savoir tout sur Maureen. En michoui, ah, en michoui. Café. On va faire michoui avec elle. On veut ça, on veut si. N'oubliez pas les téléspectateurs, vous pouvez réagir au numéro de téléphone que Chocolat connaît si bien. C'est au 596 71 27 07. Voilà. Et elle se concentre quand même. Elle se concentre. Il y a trop de numéros dans ma tête. Donc voilà. Et puis les gars, j'ai une surprise pour vous. Donc déjà, on a des tickets de cinéma à faire gagner. On a 4 tickets de cinéma à faire gagner. On va vous donner l'alerte. Hein, à partir de quel moment appeler. Et il y a aussi une grosse surprise. On a un bon d'achat de 200 euros à gagner. Je vais vous dire comment faire pour emporter le bon d'achat de 200 euros. Donc, un indice. Restez connectés et prenez vos clés de voiture en main. Ah, voilà. J'adore quand tu comprends. Quand tu es complice comme ça, pardon. Okay. Donc voilà, nous on fait une petite pause clip musicale et pour moi, viens tout de suite après avec Maureen, pardon. Moi, on t'a flex.
Ben Chocula n'est pas là, il est pas. Je vais pas vous mentir, on est en famille, on était dehors, on essayait de capter le réseau, vous savez. On est la génération connectée. Donc on est là autour de la table avec Maureen. Maureen, comment ça a commencé pour toi la musique? Comment ça a commencé? Au studio. Oui, bien évidemment, j'espère. Bon, alors je suis revenue en Martinique précisément l'année dernière aux alentours de le 31 mars 2019. Mm-hmm. J'ai commencé à aller au studio Blackstein avec, comme il y avait mes amis, c'est-à-dire Nacho, Didier, Ayoé. Et je disais à chaque fois, non les gars, j'ai grandi dans le monde de la musique, je ne vais pas me lancer, c'est moi, je ne veux pas. Je ne sais pas, ça. Il y a un truc qui me coinçait, je n'avais pas du tout confiance en moi non plus. Donc, mais au fond, tu en avais envie. J'étais mitigée, on va dire. Ok. Et j'ai commencé par poser à la fin du son d'Ayoé, Sweet, qui est sorti récemment d'ailleurs, clippé. Et ça m'a plu, et puis du coup, ben, je me suis lancée avec un premier son qui se nomme Joke, où j'avais du tout pas confiance en moi toujours, donc on sent sur ma voix que je suis toujours un peu resserrée. Mais comme je suis entourée de la bonne équipe, hein, c'est la meilleure team. On a enchaîné avec Flex et puis voilà. J'aurais jamais pensé que ça aurait pris autant d'ampleur. Donc, on va dire le son qui t'a fait connaître au grand public, c'est Flex. Exactement. Tu nous as parlé de Joke. Joke est sorti en quelle année? Joke est sorti l'année dernière, en juin 2019. Mmh. Et tout de suite après, tu décides de lancer Flex. Qui est-ce qui écrit Flex les textes? Flex est sorti en octobre. Qui écrit les textes de tes musiques? Alors, on écrit directement au studio Blackstein et avec mon manager. DJ, qui est aussi mon producteur. Ok. Donc voilà. Et on parle, on se dit, mais de quoi tu veux parler ou... Voilà. Il connaît ma force de caractère, il connaît un peu mon caractère de cochon et tout ce qui va avec. Donc c'est toi qui lui dis les thèmes et donc, puis. Du coup, il sait dans quelle direction aller quand il écrit. Ok, d'accord. Maureen, il y avait déjà des chanteuses de dancehall, il y avait les Chrissy, il y a Bad Gal Bambi, il y en a plein d'autres. Mm-hmm. Comment tu as créé ta place dans ce milieu de dancehall féminin? Comment je m'écris ma place? Waouh. Pour moi, je suis moi, hein, Maureen. Hein, la simplicité, franchement, je ne cherche pas à dire il faut que je me démarque de tout le monde, il faut que si. Non, je cherche à rester moi-même, à rester humble et. Pas prendre la grosse tête, rester comme je suis. Je me dis que si on apprécie ma musique et qu'on m'apprécie, c'est pour ce que je suis. Pas parce que je veux ressembler à un tel ou parce qu'il faut que... Non. Ok. Justement, tu as l'air très timide. Un peu. Tu as l'air timide, un petit peu différente quand je te vois dans le clip de Flex, quand même. Oui, la Maureen normale et puis la Maureen qui nous presta, elle est très différente. Est-ce que la Maureen qui chante, c'est un personnage? Pas spécialement, on va dire que c'est mon côté un peu folle. C'est pas un personnage, hein. Mes proches savent que je suis folle. Mais as-tu déjà fait une scène? J'en ai déjà fait plusieurs. J'ai même eu l'occasion de partir en Guadeloupe. C'est VJ Ben qui m'a fait venir. J'avais chanté à la Guada Color One. Ça s'était très bien passé. Le public était mitigé entre c'est qui, on la connaît pas et ah, c'est pas mal. Donc j'ai quand même eu du public qui a crié pour moi, c'était parce que mon doute c'était, je me suis dit mon Dieu, imagine j'arrive et que les gens se disent watch ça qui commence de... qu'est-ce qu'elle fait là quoi, elle peut rester elle aurait pu rester chez elle. Donc du coup j'étais hyper 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 stressée, mais après ça s'est super bien passé. Ok, d'accord. Juste pour rappeler aux internautes qui nous suivent sur les live Facebook, Zouk TV, Zayak Tuzay Chronique, vous pouvez laisser nos questions ou sinon nous appeler directement si vous avez une question pour Maureen, une question pour Chocolat, la petite diablesse aujourd'hui, au 71 27 07, c'est un fixe. Donc Maureen, quand tu vois l'ampleur que Flex a pris, qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui? Comment tu l'as vécu? J'ai été très surprise parce qu'en fait tout s'est passé très vite, du sens où le clip de Flex est sorti en octobre. En décembre, j'ai commencé à avoir des showcases. Je me rappelle que le mois de décembre, j'ai enchaîné les showcases. Chaque week-end, showcase. En Martinique. Alors, Martinique. Ah, ben, j'ai chanté au Red Light. J'ai chanté à la Jouvence. J'ai chanté au Lovely Night. J'ai chanté pour les scènes d'RBR. J'ai chanté sur le char de My Cartel en février. J'ai chanté sur le char de RBR. J'ai chanté à la Fête du Marin. J'ai chanté en Guadeloupe,
pas mal d'endroits encore. C'est bien. Je, franchement, c'est... Et un matin, je me réveille, je reçois des captures. Ah, tu passes sur trace. Ah, tu es numéro 3. Ah, t'es numéro 1. Ah, t'es... C'était waouh, je me suis dit waouh, à quel moment, j'ai pas compris. J'étais submergée d'émotions. En même temps, quand je mettais trace, à chaque fois, je me disais, bon, mais je veux voir ma tête, je comprends pas. Tout le monde voit, moi, je vois pas. Puis un beau jour, j'étais en train de faire mon ménage et puis j'ai vu ma tête. J'étais comme une mongole devant la télé en mode, ah, oh, c'est moi et tout. Ça te fait quoi, justement? Franchement, je peux dire que je commence à être fière de moi. Je peux dire ça. Après, il y a encore du travail parce que moi, je suis très dure avec moi. Mais comme je disais, j'ai de la chance d'avoir une bonne équipe. C'est-à-dire Lidje, Nacho, Ayo et tout, qui sont vraiment présents. Et que je sais que si demain, je perds un peu la tête, qu'ils sont là pour me dire « Oh, Maureen, ressaisis-toi, quoi ». Et ils m'ont beaucoup aidé à avoir la confiance que j'ai aujourd'hui. Ils m'ont beaucoup aidé à l'avoir et à surmonter justement toutes mes peurs. Parce que j'étais une grosse... je suis une grosse stressée. Donc, même avant les prestas, ben, ma dernière presta, malgré ça, c'est bien passé. Hein, à une minute de rentrer sur scène, j'avais le micro dans ma main. Je ne sais pas si c'était la fatigue parce que j'enchaînais avec une journée de tournage. J'ai fait une grosse crise d'angoisse. J'arrivais plus à respirer. J'étais comme ça. On m'a dit, mais respire. Je lui ai dit, mais je respire. Mais comment je vais faire? C'était la galère. Mais ben, je continue. Hein. On ne lâche rien. Et qu'est-ce que tu nous prépares là? Du long. Il y a pas mal de projets qui doivent sortir. Pas mal de projets qui sont en cours. Donc, franchement, j'ai hâte. On t'a connu sur du dancehall. Est-ce qu'on peut s'attendre à un autre style de Maureen? Des sons plus posés, des sons plus love, on voit que c'est ce qui marche. Est-ce qu'on va te retrouver dans du trap ou du maybe zouk? C'était connecté, peut-être. Comme okay, dirait Christine. Et s'il y avait, est-ce que c'est le dancehall? Est-ce que c'est cette catégorie de chansons-là qui te plaît? Alors, il faut savoir que ben, la dancehall, j'aime beaucoup. Parce que de base, je suis danseuse. Mm-hmm. Pas mal de personnes le savent. Donc, ça m'a pas eu, pour moi, ça m'a pas eu légitime hein, de commencer par le dancehall. Ok, d'accord. Moi, j'aurais aimé savoir, pardon, quel artiste dancehall t'inspire? Il y en a vraiment pas mal. Il y en a vraiment pas mal. Artiste féminine. Artiste féminine, Shanxia, Spice. Je savais qu'elle allait dire Spice. Les grandes Shanxia. Oui. Qui est ça encore? Moi, j'ai un petit problème parce que je connais beaucoup les musiques, mais des fois, le nom des artistes. Mais au niveau de la scène locale, est-ce qu'il y a des artistes ici qui t'ont donné envie de faire de la musique, des calaches, des artistes vraiment de chez nous, caribéens? Oui. Guadeloupéens, Martiniquais, Ben, il y en a pas mal que j'apprécie. Effectivement, Kalash, tous les nouveaux, Meryl, Chrissy. Parce que bon, bah, avant même de chanter, j'avais déjà dansé avec Chrissy, on se connaissait déjà. Panic J, Enken, enfin, tout ça. Et. Ils m'ont vraiment donné, ce sont des personnes aussi qui m'ont donné énormément de force et qui continuent d'ailleurs à me soutenir. Et ça fait plaisir de voir que même les anciens, musicalement parlant, me soutiennent ou me valident. Puisqu'après, bon, pour moi, bon comme mauvais, sont bons à prendre, hein, ça permet d'évoluer. Dès qu'il s'agit de la musique, hein, parce que bon, les mauvais commentaires au niveau de mon physique et tout... Voilà, ça me passe au-dessus. Et pourquoi? Pourquoi critiquer ton physique? Je trouve que tu es une très belle femme. Ah bah, il y en a qui critiquent, hein, qui trouvent que je sais pas, je suis trop maigre ou ci ou ça. Mais bon, bah, tu serais l'essentiel pour moi, c'est que je m'aime comme je exactement suis. Donc, voilà. En tout cas, tu es très belle. Merci. Belle petite poupée. En tout cas, on a un appel, on va le prendre. Zaïkonique, bonsoir. Zaïkonique, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, allô, allô. Tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? Bonsoir, je m'appelle Kevin. Pardon? Ton prénom? Je m'appelle Kevin, je m'appelle de la Guyane. Kelly de la Guyane, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, Kelly de la Guyane, on t'écoute. On t'écoute, Kelly. Je pourrais dire que... Est-ce que pour lui dire que... J'aime bien cette musique et quand tu sais en Guyane... Maureen, à toi. Merci, c'est gentil. Quand est-ce que je viens en Guyane? Ben, quand la Guyane m'invite, hein, je dis pas non.
Voilà. Ben, si elle a pu... Ok, pas de souci. Ok, Kelly, en tout cas, merci de ton appel. Donc, okay, un petit bisou aussi aux gens de la Guyane qui nous regardent. Comment? Elle est très jolie. Merci, c'est gentil. Ok, en tout cas, merci, Kelly. Ben voilà, okay. N'hésitez pas à faire comme Kelly, à nous appeler au 71-27-07 si vous avez une question pour Maureen, un témoignage, une question à poser. Il y a un autre appel, il me semble, Zaïkonik, bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô, allô? Bon. Il n'y a pas de réseau. Donc voilà. Un petit crochet en tout cas. Je souhaite faire un gros bisou à la Guyane du coup, puisque je connais pas mal de personnes là-bas. Et non, je ne vous abandonne pas parce que je reçois des... Tu oublies la Guyane. Je vous aime très fort et je vous fais plein de gros bisous. Voilà. Ben, on fait une petite pause clip. On regarde ton second clip 10 et on revient tout de suite après. Il n'y a pas de souci. Le micro est tourné, tu parles, c'est le micro. Faut payer nous dans les temps. En package, joke, batting, mauvais temps. Belle caille, go loto, go l'agent. Et yo ka joue élégant. Mais yo ka vin sans rien dans les plans. Nom qui les vend, nous rêve vaut mieux. Yo, I want kish. En les temps, mille agents, en palais, ish, libidish. En mettre moi en ça, en fait la diff. En mettre moi en ça, en fait la. Mais yo ka dis. Yo ka joue les pads, mais yo ka doué en 10. Mandez maman, yo acheté en iPhone 10. Après yo les palais, bah moi j'en pisse la miss. Aïe, aïe, mais yo ka dis. Yo ka joue les pads, mais yo ka doué en 10. Mandez maman, yo acheté en iPhone 10. Après yo les palais, bah moi j'en pisse la miss. Aïe, aïe, ça délicat. Si vous voulez check pour flex, si vous voulez pas flex, pita. Bah moi en Vespa, en Kankei, Mexico. Mais ou pas à beau, pas crier, moi mamacita. Pas de mec ou que check moi fessi coq coq. Fessi coq. La li en basse. Papa les trop. Hop hop. Hop pas qu'attend. Yo ka joue les pads mais yo ka doué en 10. Mandez maman yo acheté en iPhone 10. Après yo les palais bas moi j'en pisse la miss. Aïe. Mais yo ka 10. Yo ka joue les pads mais yo ka doué en 10. Mandez maman yo acheté en iPhone 10. Après yo les palais bas moi j'en pisse la miss. Aïe, faut payer nous dans les temps. En package, joke, batting, mauvais temps. Belle caille, go loto, go l'agent. Et yo ka joue élégant. Mais yo ka vin sans rien dans les plans. Nom qui les vend, nous rêve vaut mieux. Yo, I want kish. En les temps, mille agents, en palais, ish, libidish. En mettre moi en ça, en fait la diff. En mettre moi en ça, en fait la. Maman, c'est violent. Avant, non, je sais pas si c'est parce que c'est la dernière. Avant, on nous disait, il reste 10 secondes. Non, c'est fini. Mec, toi, les techniciens, ils en vacances. Ils disent, c'est la dernière. Voilà, ils se sont lâchés. Maureen, tes sons axés sur les gars. Qu'est-ce que les gars t'ont fait comme ça, Maureen? Dis-nous tout. Premier son, gars. Deuxième son, les gars. Le troisième son, range ton slip. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gars t'ont fait? Une peine de cœur? Dis-nous, c'est quoi ton rapport avec les mecs? Je pense que les gars veulent savoir. Qu'est-ce qui se passe? Mais les gars ne m'ont rien fait. Le premier son, c'est pas spécialement. Enfin, c'est vrai qu'on m'a dit, mais t'es sauvage avec les gars. Les punchlines, elles sont dites. Tu clashes. Non, je suis gentille. Je suis un petit pain doux. Faut pas se fier. Donc il y a aucune querelle avec les hommes, c'est bon. Non, j'ai pas de problème avec les hommes. Hein. J'ai juste un souci avec. Ça va paraître peut-être assez bizarre, mais je suis une meuf, j'aime pas qu'on me drague. Je déteste ça. Tu peux faire draguer? Non, non, mais je préfère par exemple si. Je sais pas, il y a une connexion directe, ça se fait au feeling, on discute et puis voilà. Mais.
les gars, ton père a volé les étoiles parce que donc c'était quoi, je sais plus. La dernière fois on m'a sorti ah ouais maman négresse tout pour toi. Hein. Franchement la tempête n'a t'as rien fait parce que tu as gardé toutes tes tôles. Mais aussi les gars prennent ces paroles. Mais aussi les gars prennent ces paroles là. Pour moi. Non ne mens pas, tu as déjà dit son nom. Non. Alors là déjà c'est trop loin à retenir. Je sais pas, ton père c'est le créateur de Nintendo parce que t'es une déesse. Ils ont quel âge en fait les gars qui te disent ça? Non mais même des gars de la trentaine en fait. Ben écoute, on nous a dit d'être poétique. Mais voilà non. Les poètes. Non. Alors, on est en 2020, quoi. Voilà. Ben, une petite pause juste pour dire aux téléspectateurs qu'on a un bon d'achat d'une valeur de 200 euros. Je donne le top départ. Donc, alors, pour emporter le bon d'achat d'une valeur de 200 euros, c'est le premier ou la première personne qui vient nous rejoindre sous le plateau. Avec son masque. Avec son masque, bien sûr, son masque. La première personne qui vient nous rejoindre ici sur le plateau, donc cherchez hein, sur Google, c'est où l'adresse de Zouk TV. La première personne qui nous rejoint ici en direct ou repart avec son bon d'achat de 200 euros. Entre temps, on a encore des tickets à faire gagner, enfin des tickets de cinéma à faire gagner. Il y a 4 tickets aujourd'hui de cinéma à faire gagner. Donc au 71-27-07, c'est un fixe, n'hésitez pas à appeler. Ben, une dernière petite sortie pendant les vacances, pourquoi pas. Hein. Ah ben oui. Tiens, tous les bons films qu'il y a en plus. Voilà. Maureen, si tu devais faire un feat avec quelqu'un, le feat de tes rêves. Le feat de mes rêves. J'en ai pas mal, hein. Il y en a qui sont en cours d'ailleurs, en parlant des featuring. Mais le feat de mes rêves. Attends. Ah non, mais la direct. Vas-y. Il y en a. Par contre, dès le début, en fait, j'ai toujours dit je veux faire un feat avec Bless Fire. Je le connais personnellement, mais la vibe qui dégage, en fait, waouh, j'aime trop la vibe qui dégage. Donc, c'est franchement mon but. Hein. Puis après, forcément, j'ai toujours envie de faire des feats, d'autres feats. Hein. Okay, si possible, si j'en fais avec Meryl, pourquoi pas. Bon, Meryl, l'appel est lancé. Hein. C'est vrai qu'on a vu qu'on s'est quand même pas mal dans des interviews. Je travaille, bon, c'est plus une surprise parce qu'on a vu sur les réseaux que je travaille notamment aussi avec Chrissy. D'ailleurs, gros bisous, Mamoun. Et d'autres projets encore, d'autres featuring. On en a un aussi avec Too Shine. Elle en a parlé dans son interview récemment. Qui est déjà clôturé d'ailleurs, mais on n'a pas encore de date de sortie. On continue. Il y a pas mal de projets. Il y a pas mal de projets en cours. Ok, d'accord. Alors, juste une question. Tes envies de feat, ça vient de toi ou c'est ton manager parfois qui te dit bon, allez, ce serait bien que tu fasses un morceau avec telle ou telle personne? Pas spécialement, en fait. Ça dépend en fait des propositions qu'on a, des propositions. Et puis, si ça va dans. Dans tes cordes aussi. Voilà, puisque bon, je suis aussi dans mes débuts. Hein. Faut pas que je fasse, par exemple, tout de suite là, des featuring assez risqués, parce que c'est pour ne pas faire un flop, comme on dit, c'est assez compliqué dans le domaine musical en tant que fille, en fait. Musicalement parlant, en tant que femme, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur, donc il faut se démarquer, il faut, contrairement à un homme, hein, ce sera un peu plus facile, faut plus bosser quoi. Mais donc au niveau des featuring, c'est voilà, c'est à dire que tu peux vouloir faire un feat, mais il faut peut-être patienter avoir un peu plus d'ampleur ou autre. Ok, bah attends, on reprend l'appel et on revient tout de suite après. Garde ta question. Zaïkonik, bonsoir. Allô Zaïkonik, bonsoir. Allô, oui, tu bonsoir. T'appelles comment? Tu nous appelles d'où? Ben, je suis Marie-Josée, j'appelle de Goudissart. Marie-Josée de Goudissart, comment vas-tu Marie-Josée? Ah ben ça va, et toi? Ça va bien Marie-Jo, tu as fait le café, je passe à l'heure. Pardon? Je t'embête Marie-Jo, je disais, est-ce que tu m'as préparé le petit apéro? J'ai pas compris, qu'est-ce que tu dis? Non, laisse tomber, je t'embête Marie-Jo. Marie-Jo, tu appelles pour quoi? Ah ben j'appelle pour l'étiquette cinéma en fait. Hein. Ah, t'étiquette cinéma, quel film qui te ferait plaisir qui est à l'affiche? Ah ben, j'avoue que ça fait un petit moment que je n'y suis pas allée, mais j'aime bien les films les films policiers, d'action. Ok, d'accord. Ben, Chocolat, tu lui poses une question ou bien je lui pose la question? Oui, Vas-y, ben je te laisse avec Chocolat. Salut. D'accord. Bonsoir, Chocolat. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va. Alors, toi qui aimes les films d'action,
En ce moment, à l'affiche, il y a le film Ip Man 4. Et j'aimerais que tu me dises comment s'appelle l'acteur principal. Alors là, j'avoue. Géré. Google, pas, c'est ton ami. Eh bien, rappelle. Quoi? Il faut rappeler. Il faut rappeler. D'accord, il n'y a pas de souci. À tout de suite. Ok. D'accord. Donc, j'en profite pour rappeler qu'il y a un bon d'achat d'une valeur de 200 euros à dépenser. Donc, pour le remporter, c'est le premier téléspectateur à venir se rendre ici dans les locaux de Zouk TV. Donc, on vous attend, le premier téléspectateur. Donc, tout ce qui habite là, pas lâché, pas là dans les environs, c'est maintenant qu'il faut venir. Donc, nous sommes là autour de la salle avec Maureen. J'avais une question, il faut pas que vas-y, j'oublie. Vas-y, chocolat. Maureen, justement, tu es une jeune artiste, très jeune même. Qu'est-ce que... Je ne sais plus en fait comment bien formuler ma question, parce que c'est une question qui a plusieurs réponses dedans. Qu'est-ce que tu as fait avec ta scolarité? Est-ce que tu as arrêté? Est-ce que tu as continué? Est-ce que tu comptes reprendre après? Ça a été un peu compliqué, mais j'ai pu obtenir mon diplôme. Et je n'ai pas lâché, puisque j'étais dans une filière en ressources humaines. Et quand je suis revenue ici, j'ai un peu bossé à droite, à gauche, mais toujours dans le domaine que je voulais, tout en continuant dans mes études dans une école de commerce par correspondance que j'ai validée. Et là, aujourd'hui, j'ai mon boulot. Donc, je suis stable financièrement parlant, merci Seigneur. Et je continue de m'accrocher pour mes rêves, tout ce qui est musique et danse. Donc, mon travail me permet de continuer dans mon domaine artistique. Donc, franchement, ça me convient. Je suis dans quelque chose que j'aime. Donc, ça va. Parce que c'est important, parce que vu qu'il y a beaucoup de jeunes... Oui, c'est important, la scolarité. Oui, c'est important. Ne lâchez pas. C'est vrai que c'est un peu difficile maintenant. Mais franchement, il ne faut pas lâcher. Il faut s'accrocher. Ça a été dur, mais je me suis accrochée. Voilà, on en appelle. Zéchronique, bonsoir. Bonsoir. Tu s'appelles comment? Tu nous appelles d'où? Mélanie. Comment? Élodie de Fort-de-France. Élodie de Fort-de-France? Oui, c'est ça. Ah, Élodie, comment vas-tu? Ça va, Élodie? Ça va, et vous? On va bien, on est là. Tu appelles pourquoi? On t'écoute. Pardon, j'ai pas entendu. Tu appelles pourquoi, Élodie? Ah oui, L'étiquette cinéma. Ben, je te laisse avec. Ah ben, je te pose une question. Quel était le nom de l'invité de la semaine dernière? Ah. Alors là. Ah, géré. Eh ben, Facebook, c'est ton ami. Je sais pas. Alors là, c'est pas lui. Donc, ben, je t'invite à consulter le Facebook Zaïconique. Tu verras, ou Zayactu, ou l'Instagram. Et rappelle-nous pour tenter ta chance. C'était pas Héro? Non. Voilà. Ben Maureen, on va s'intéresser à toi. Qu'est-ce que c'était Maureen quand elle était petite? De tout. De tous les artistes. Gospel, zouk, compas. Franchement, j'écoute de tout. Je suis en maître de mimi parfois parce que bon, je mets mon gros compas chez moi, mon gospel. Franchement, j'écoute de tout. Et la Maureen à l'école, c'était quelle Maureen? La Maureen à l'école, c'était la même là. Bonne élève, mais la même qu'aujourd'hui. Elle ment, tu sais, il y a des profs qui peuvent appeler. Et s'il y a un prof de Maureen qui regarde l'émission, si elle nous appelle en direct, qui nous dit qui est cette Maureen, ça aurait été bien. J'avais de très bonnes moyennes, j'étais toujours parmi les premiers. Mais je m'ennuyais. Donc du coup, comme je m'ennuyais, parce que je finissais avant, j'embêtais tout le monde. J'embêtais tout le monde. Donc sur le bulletin, c'était toujours très bonne élève. Mais trop de bavardage. Bon, mais les résultats étaient là. On va prendre l'appel, on revient tout de suite après. Zéchronique, bonsoir. Ah ben, allô? Zéchronique, bonsoir. Allô? Il y a ton petit cas cinéma, il y a tout qu'à crier. Zéchronique, bonsoir. Ça dit quoi? Bonsoir, tu t'appelles comment? Ah oui, j'en appelle Cincha. Cincha, tu nous appelles d'où, Cincha? De Trinité. Cincha de Trinité. Un petit coucou aux gens du Nord, Trinité, Robert, Basse-Pont-Loin, et tous ces gens là-bas qui nous regardent tous les mercredis. Comment vas-tu, Cincha? Ça va? T'as dit quoi? J'ai dit, comment vas-tu, Cincha? Je vais bien. Tu vas bien. T'as envie d'aller au cinéma? Bah oui. Avec qui? Eh ben, avec mes enfants. Ah. Ben, je te laisse avec Chocolat. D'accord. Merci. Salut, Cincha. Salut.
Alors, j'aimerais savoir comment s'appelle l'acteur principal du film Ip Man... Ip Man 4. Ip Man 4? Oui. Ah, d'accord. Alors... Oui, alors bien sûr, Google, c'est bien sûr, sois discrète. Genre... J'adore. Alors, comment il s'appelle? Soldat Ip Man 2, c'est Timothy. Comment? Ismoussi. Timothy. L'acteur principal. L'acteur principal? Oui. Ça sent la recherche. Alors, rappelle-nous tout à l'heure. Je cherche bien. Rappelle-nous tout à l'heure. Il y a un autre appel. Zéconique, bonsoir. 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 Tu t'appelles comment? Alors, Michel de Chelcher. Michel de Chelcher. Comment vas-tu, Michel? Ça tient, ça va. T'as envie de te détendre au cinéma, un petit moment détente. Voilà, bon, ben, voilà. Une action. Voilà. Michel, combien d'abonnés y a-t-il sur la page Facebook Zéconique? Alors là, désolé, je m'attendais à la question précédente. Romain a bien semblé tout le monde. Là, donc, mais c'est pas comme ça, mon cher ami. Mais je t'invite à consulter la page Facebook et puis tu nous rappelles. Pas de problème, ok. Ok, Michel. Il y a un petit questionnaire que je fais au tac au tac avec tous les invités, Maureen. D'accord. Donc laisse-moi le temps de chercher mes notes. Le temps. J'ai peur des questions. Tu as peur facile. Des questions, c'est tellement facile. Alors, c'est tellement facile. Donc c'est des questions au tac au tac, donc tu dois me répondre vraiment ce qui te vient à la tête. Le premier mot. D'accord. Maureen, si tu étais un animal. Un chat? Je ne sais pas pourquoi. L'objet que tu ramènes sur une île déserte. À manger. Ta première qualité. Première qualité, gentillesse. Ange ou démon? On a dit ange, mi démon. Ton plat préféré? Tout. Le pays de tes rêves? Bahamas. BMW ou Clio? BM. Plage ou rivière? Plage. Tu gagnes 1 million, quel est ton premier achat? J'investis. Bouillon ou Densol? Densol. Donne-moi un tulle amour. Un tulle amour? Franchement, j'en ai pas en tête. Ok, si tu devais choisir un seul réseau social? Insta. Ton plus grand défaut? Mon plus grand défaut? Je sais pas, j'en ai pas mal quand même. Alors, tu es plutôt talon ou basket? Talon. Ton dimanche maison, famille ou hop avec les amis? Maison toute seule. Si tu étais du sexe opposé, quelle est la première chose que tu aurais faite? J'aurais pu faire pipi où je veux. Alors, ton dessin animé préféré? Mon dessin animé préféré. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé de dessin animé. Ou quand tu étais jeune, ton dessin animé préféré? J'en ai pas spécialement. Je regarde de tout. Okay, Disney Channel. Ok. Lors de l'apéro, tu es celle qui mange le plus. Que disent tes amis de toi? On m'appelle Timoman. Ok, d'accord. L'artiste ou personne célèbre qui te donne chaud? Caliente. Chez Marmour. Si tu avais un seul pouvoir magique. Un seul pouvoir magique? Manger sans grossir. On voit que c'est une grande mangeuse. De tout à l'heure, là, tout le monde. Alors, dans la vie, tu es Tug Love ou cœur d'artichaut? Je suis quoi? Tug Love ou cœur d'artichaut? Un peu des deux. Le premier mot qui te vient à la tête? On n'en est pas. Alors, la chose qu'il ne faut surtout pas faire à Maureen? Me mentir. Ta phrase ou dicton fétiche? J'en ai pas. Que penses-tu des gars qui font leur parache un iPhone 10? J'ai envie de poser une question. Que penses-tu? Ils font leur parache leur iPhone 10. Ça peut être un cadeau aussi. Hein? Ok, d'accord. Un mot pour Zéconique pour finir? Ben, merci de m'avoir accueilli. Merci d'être venu. Parce que tu aurais pu nous snober. Mais non. Mais on est en appel, on va prendre l'appel, on revient tout de suite après. Zéconique, bonsoir. Dans mon direct, il y a quelqu'un qui a répondu Totally Spice. Le monde d'achat. Une seule. Oui, attends, on arrive avec le monde d'achat.
J'ai même bugué. Tu sais, du on va me. Ah oui, désolé. J'ai J'attendais vraiment cette fois ce moment-là. Ben, on va faire entrer la personne. Eh bien, vous savez, on a le gagnant. Grand moment de télévision. Ben, si on peut faire entrer le gagnant. Oh my god. Le premier qui arrive est la première. C'est ta tati. Bonsoir, comment t'appelles-tu? Bonsoir, Nathalie. Comment tu peux venir près de lui? Lauriane. Lauriane, viens. On a Lauriane à côté de nous. Lauriane, viens à côté de nous. Lauriane, comment vas-tu, Lauriane? Ça va très bien. Tu sors d'où surtout, Lauriane? Tu sors d'où, Lauriane? Rapproche-toi. Lauriane, comment vas-tu? Ça va? Ça va très bien. Donc, t'as entendu qu'il y a un bon d'achat de 200 euros, tu es venue. Oui. Elle a fait vite, hein? Qu'est-ce que tu aurais fait avec ce bon d'achat de 200 euros? Ça dépend, c'est un bon d'achat pour quoi? Non, dans un grand centre commercial. Elle est loin du micro. Eh bien, je vais acheter tout ce que j'ai besoin d'acheter. En plus, je suis en vacances, donc je vais profiter. Donc, tu regardes l'émission, tu t'es entendu ça, tu as dit bon, je pars. Mais oui, je regarde. Elle sort d'où? De Fort-de-France. De Fort-de-France. De Fort-de-France. Eh bien, Lauriane, ravie de t'annoncer qu'il n'y a pas de bon d'acheter. Aïe, aïe, aïe. C'était un canular. C'était juste pour avoir un téléspectateur. De plus avec nous. Ben Lauriane, ça nous fait plaisir. Mais quand même, ça m'a fait de la peine. Je vais quand même te donner 2 tickets de cinéma à faire gagner. Mais normalement, je vais te donner. Mais normalement, j'avais dit à chocolat. Donc, je vais faire remporter. Mais en tout cas, merci. Désolé, c'est un canular. Je ne dis pas désolé. Je tiens à préciser que c'est ma tante en plus. Voilà, c'est la tante de mon oui. C'est ta tante. Et en plus, tu appuies sur le canular et au final, c'est ta tante qui est tombée dedans. Est-ce que tu vois ça, Maureen? C'est pas grave. Elle était toute excitée. Du jeu, elle a dit canular, waouh, mais c'est ta tante. Ben, en tous les cas, vous savez, ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent, ils savent que j'adore faire Show Monde, c'est mon délire. Donc ben, voilà, je me suis dit pour la dernière, je paye, je dis les spectateurs. Alors, donne-nous déjà ces 2 tickets. Je vais lui donner, mais il faut découper. Non, tu sais qu'il y a des tickets sur la tête, mais tu as des tickets. Tu vois, aller avec ton fils avant la fin des vacances. D'accord. Au cinéma, au moins ça. D'accord. Reste gentil quand même. Donc voilà, on remercie Zouk TV pour les tickets de cinéma et ainsi que Madjana. Ben, on fait une petite post-clip et puis on revient tout de suite après. Avec Madza. Avec DJ Madza. T'es venu t'installer chez moi, car tu en as marre de vivre chez toi. Voilà. Tu racontes qu'il fait froid, et que t'as fui le froid. T'as acheté un terrain chez moi, t'as construit une maison chez moi, mais sache que tu n'es pas chez toi. Hey, chez moi tu kiffes la mer, chez moi tu kiffes le soleil. Beaucoup d'entre vous disent que c'est une merveille. Nombreux sont ceux qui ont investi de l'oseille pour y avoir un petit coin de paradis sans pareil. Les pieds dans l'eau en buvant de l'eau de coco. Vis comme tu veux mais n'oublie pas les locaux. Respecte nos coutumes, chez moi on se lève tôt. Dès que le coq chante cocorico. Tu peux faire comme chez toi, mais n'oublie pas que t'es chez moi. T'as le bon esprit, on t'accueille avec joie. Mais n'essaie surtout pas d'imposer ta loi. Hey, tu peux faire comme chez toi, mais n'oublie pas que t'es chez moi. Si tu penses vivre ici comme tu le faisais chez toi, t'as tout faux, donc retourne là-bas. Hey, tu veux vivre chez moi, mais dans un coin où tu ne vois que des gens de chez toi. Tu veux profiter de toutes les plages de chez moi, mais tu ne veux y voir que des gens de chez toi. Hey, dans la chaleur de chez moi, ne viens pas avec les vieilles vagues de chez toi. Respecte ceux que tu as trouvés chez moi, sinon casse-toi chez toi. Tu peux faire comme chez toi, mais n'oublie pas que t'es chez moi. T'as le bon esprit, on t'accueille avec joie. Mais n'essaie surtout pas d'imposer ta loi. Hey, tu peux faire comme chez toi, mais n'oublie pas que t'es chez moi. Si tu penses vivre ici comme tu me faisais chez toi, t'as tout faux, donc retourne là-bas. Hey, ne fais pas chez moi ce que je ne ferai pas chez toi. Respecte chez moi comme tu respectes chez toi. Fais pas comme si t'es un terrain conquis, et que nous sommes les petits sauvages en qui. Allons te dire oui, Bwana,
Non, 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 ne compte pas sur ça. Tu peux faire comme chez toi, mais n'oublie pas que t'es chez moi. T'as le bon esprit, on t'accueille avec joie. Mais n'essaie surtout pas d'imposer ta loi. Hey, tu peux faire comme chez toi, mais n'oublie pas que t'es chez moi. Si tu penses vivre ici comme tu le faisais chez toi, t'as tout faux dans toi, tourne là-bas. T'es venu t'installer chez moi, car tu en as marre de vivre chez toi. Tu racontes qu'il fait froid, et que t'as fui le froid T'as acheté un terrain chez moi, t'as construit une maison chez moi. Mais sache que tu n'es pas chez toi. Hey, chez moi tu kiffes la mer, chez moi tu kiffes le soleil. Beaucoup d'entre vous disent que c'est une merveille. Nombreux sont ceux qui ont investi de l'oseille pour y avoir un petit coin de paradis sans pareil. Les pieds dans l'eau en buvant de l'eau de coco. Vis comme tu veux mais n'oublie pas la loco. Respecte nos coutumes, chez moi on se lève tôt. Dès que le coq chante cocorico, tu peux faire comme chez toi. Mais n'oublie pas que t'es chez moi. T'as le bon esprit, on t'accueille avec joie. Mais n'essaie surtout pas d'imposer ta loi. Hey, tu peux faire comme chez toi. Mais n'oublie pas que t'es chez moi. Si tu penses vivre ici comme... T'es venu t'installer chez moi, car tu en as marre de vivre chez toi. Tu racontes qu'il fait froid et que t'as fui le froid. T'as acheté un terrain chez moi, t'as construit une maison chez moi. Mais sache que tu n'es pas chez toi. Hey, chez moi tu kiffes la mer, chez moi tu kiffes le soleil. Beaucoup d'entre vous disent que c'est une merveille. Nombreux sont ceux qui ont investi de l'oseille pour y avoir un petit coin de paradis sans pareil. Les pieds dans l'eau en buvant de l'eau de coco. Vis comme tu veux mais n'oublie pas les locaux. Respecte nos coutumes, chez moi on se lève tôt. Dès que le coq chante cocorico, tu peux faire comme chez toi. Mais n'oublie pas que t'es chez moi. T'as le bon esprit, on t'accueille avec joie. Mais n'essaie surtout pas d'imposer ta loi. Hey, tu peux faire comme chez toi. Mais n'oublie pas que t'es chez moi. Si tu penses vivre ici comme tu le faisais chez toi, t'as tout faux dans toi, tourne là-bas. Hey, tu veux vivre chez moi, mais dans un coin où tu ne vois que des gens de chez toi. Tu veux profiter de toutes les plages de chez moi, mais tu ne veux y voir que des gens de chez toi. Hey, dans la chaleur de chez moi, ne viens pas avec les vieilles vibes de chez toi. Respecte ceux que tu as trouvés chez moi, sinon casse-toi chez toi. Tu peux faire comme chez toi, mais n'oublie pas que t'es chez moi. T'as le bon esprit, on t'accueille avec joie. Mais n'essaie surtout pas d'imposer ta loi. Hey, tu peux faire comme chez toi. Mais n'oublie pas que t'es chez moi. Si tu penses vivre ici comme tu le faisais chez toi, t'as tout faux dans toi, tourne là-bas. Hey, ne fais pas chez moi ce que je ne ferai pas chez toi. Respecte chez moi comme tu respectes chez toi. Fais pas comme si t'es un terrain conquis et que nous sommes les petits sauvages qui allons te dire oui, Bwana. Non, 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 ne compte pas sur ça. Tu peux faire comme chez toi, mais n'oublie pas que t'es chez moi. T'as le bon esprit, on t'accueille avec joie. Mais n'essaie surtout pas d'imposer ta loi. Hey, tu peux faire comme chez toi, mais n'oublie pas que t'es chez moi. Si tu penses vivre ici comme tu le faisais chez toi, t'es venu t'installer chez moi, car tu en as marre de vivre chez toi. Tu racontes qu'il fait froid, et que t'as fui le froid. T'as acheté un terrain chez moi, t'as construit une maison chez moi. Mais sache que tu n'es pas chez toi. Hey, chez moi tu kiffes la mer, chez moi tu kiffes le soleil. Beaucoup d'entre vous disent que c'est une merveille. Nombreux sont ceux qui ont investi de l'oseille pour y avoir un petit coin de paradis sans pareil. Les pieds dans l'eau en buvant de l'eau de coco. Vis comme tu veux mais n'oublie pas la loco.
secteur de l'équipe. Chez moi, on se lève tôt. Des clochettes, coco, rico. Je veux comme chez toi. N'oublie pas de t'attacher à moi. Bon, je vous ai dit, c'est la dernière, on est en famille, ici c'est comme ça, chez nous, c'est gentil. Donc voilà, en tous les cas, on a bien eu, on a bien rigolé avec Lauriane, c'est ça qui était avec nous, qui combien. Il était dans le mix, dans le canular, ça m'a fait de la peine quand même. J'ai peur parce que j'ai son mari, je sais qu'on va me plier en deux là. Je me suis dit, on va me plier en deux. Moi je partais déjà. Tu partais déjà, je suis là pour tout prendre. Non, il a vraiment ton canular, le monsieur est venu. Il a fait que cette vitesse. En tous les cas, bon, on va prendre l'appel. Zéconique, bonsoir. Allo, allo. Bonsoir. Oui, buzz sur la TV. Bonsoir, tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? Allo, allo. Bon, mais elle nous a quitté visiblement. Ben, on remercie. Allo? Ben, on remercie Mouli qui était là. Oui, allo? Allo? Tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? Je t'appelle de Trinité. Trinité, c'est quoi ton prénom? C'est quoi ton prénom? Cynthia de Trinité. Ah, tu vois, tente ta chance, Cynthia. Exactement. Ben, je te laisse avec chocolat. J'espère que tu vas retomber sur la même question parce que ça va me faire de la peine pour toi. Et malheureusement, on ne tombe pas sur la même question. Tu as bien vu, je suis désolée, mais je pose quand même la question, Cynthia. À quelle heure a eu le séisme de magnitude 4-9 dans la nuit d'hier soir? C'était à quelle heure? Alors, c'était à 1h30, 1h du matin. C'était 1h03, mais comme tu as dit, 1h, c'est validé. Donc, tu gagnes ton ticket pour aller au cinéma. Oh, merci. Mais je t'en prie. Voilà, laisse tes coordonnées hors antenne et on va t'expliquer comment récupérer ton invitation. D'accord. Voilà, ouais, merci Cynthia. N'hésitez pas à faire comme Cynthia a appelé. Il reste une place, un ticket à faire gagner, puisque bien évidemment, j'ai remis le ticket à la jeune demoiselle qui nous a rejoint. Mais au-dessus de la table, nous a rejoint DJ Maza, l'homme au chapeau. Il est venu à visage découvert aujourd'hui. Oui, moi, qui est l'homme de la lettre qui se cache derrière ses lunettes et son chapeau? On est là avec DJ Maza. Maza, comment vas-tu? Bonsoir. Bonsoir. Badman out and stunting. Je vais te poser la question, le confinement, le déconfinement. Girl with big, big jumping. Action, ready for the thumping. Ready for the thumping. Ready for the thumping. Bad, bad girl, step out, I'm stunting. My ties them tick like pumpkin. Look for me, big, big jumping. My money tick like a comic. Remix style of the vocal. Bon, de ce côté-là, c'était pas mal, mais c'était une passion aussi, c'était un peu problématique. Promener, etc. Bon, moi, j'avoue, je suis un peu hypocondriaque. Donc, du coup, je suis pas sur le but. Mais, franchement, ça s'est pas très mal passé. Eh bien, comment s'est passé par contre ton déconfinement, ton retour dans la vie nocturne? Eh bien, c'est pour un hypocondriaque quand même. Ouais. Ça doit être hyper compliqué. Exactement. Le retour à la vie nocturne, ben, c'était plus avec beaucoup d'appréhension. Donc, du coup, bon. Il arrive avec son masque. Exactement, mais le masque, le gars n'a pas le gars masque avec deux bouteilles d'oxygène, le masque dans son dos. Mais c'est masque, il a tout à fait raison. Toujours mon masque, j'appelle même mon gel, mon propre gel. Parce que j'ai fait des essais, tous mes collègues aussi. Donc. Eux aussi, il faut faire attention. Donc, on va dire que quoi pour beaucoup plus aussi. Je confirme, hein, par contre, parce que j'ai vu DJ Maza mixer. Et il m'a vu au loin, et au loin, il me disait déjà attention. Écoutez, la soumise, au loin, ça va. Au loin, genre, ne viens pas cliquer, s'il te plaît, et tout. Mais si j'ai une question à te poser, bon, comme ça, bien vu que ton confinement va à nous. As-tu peur de reconfinement? Non, j'ai pas peur de reconfinement, mais plus le côté financier. Voilà. Parce que bon, le confinement, le premier, je sais pas si le deuxième. Le premier, financièrement, on a dû se signer les coups.
pouvoir arriver au bout. Okay. Là, si on a un deuxième, vu comment les vacances se sont passées, je ne pense pas que tout le monde pourra survivre, parce qu'on a bien certifié les emplois qui ont été dissous. Là, un deuxième confinement, financièrement, ça va compliquer tout le monde. C'est vrai qu'on a vu les autorités sont vraiment ciblées sur les établissements de nuit, à croire entre guillemets qu'il y a eu le coronavirus que dans les établissements de nuit. On a pu voir que le préfet de Guadeloupe a eu le coronavirus, et je ne pense pas qu'il fréquente ça, les établissements de nuit, s'il lui-même respecte les sanitaires. Que penses-tu de ça, que vraiment, ça soit que c'est que sur les établissements de nuit, en pêche, on a vu qu'il y a, il y a eu pas mal d'annulations d'événements. Quelle est ton opinion sur ça? Alors, bon... Il y a beaucoup de peur autour de ça, parce que ce sont des établissements qui regroupent beaucoup de personnes. Et donc, du coup, les gens ont surtout peur de côtoyer des gens qui ont peut-être le coronavirus. Mais les établissements de nuit mettent des moyens en œuvre pour pallier à ça, de façon à ce que personne ne soit en contact avec... Enfin bon, ils essaient, puisque bon, après deux, trois coups, tout le monde danse, etc. Mais bref. Mais franchement... Le plus gros risque n'est pas dans un établissement de nuit, puisque les établissements de nuit prennent vraiment leurs précautions de ce côté-là. Ok, d'accord. Ben, on prend l'appel. Zaykonik, bonsoir. Zaykonik, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? Je m'appelle de Ducos. Oui. De Ducos, tu t'appelles comment? Guylaine. Guylaine de Ducos. Comment vas-tu, Guylaine? Ça va. Ça va. Tu nous appelles pourquoi, Guylaine? Tu veux remporter ta place? Tu veux... j'ai pas compris, Guylaine, désolé. Je t'appelais pour le jeu. Pour le jeu. Quel film qui te ferait plaisir, Guylaine, au cinéma? Quel film qui te ferait plaisir à aller voir au cinéma? Oula, j'ai pas l'actualité du tout. T'as pas l'actualité du tout? Quelque chose qui a l'affiche en ce moment. Ok, ben je te laisse. Je te laisse avec Claudie. Quel était le nom de l'invité de la semaine dernière? Je n'ai pas vu. Faut nous suivre. Voilà. Ben, tu peux toujours te renseigner sur. Ok, ben renseigne-toi sur le Facebook Zaykonik ou Zayak, tu pourras voir qui était l'invité de la semaine dernière. Bon, toi, merci Guylaine et n'hésite pas à retenter ta chance. Ok, allez, bonne soirée. Merci à toi. Guylaine. On a un autre appel, on va prendre. Zaykonik, bonsoir. Zaykonik, bonsoir. Allô, allô. Allô. Bonsoir, tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? Oui, de Basse Pointe. De Basse Pointe. Allô. Oui. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. C'est Daniel de Basse Pointe. Il y a double appel. Il y a double appel. Il y a double appel, j'adore. Le téléphone rose. Ben, je te laisse avec Chocolat. Allô? Qui? Allô, oui. Vas-y, oui, Chocolat. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va, et toi? Ça va, je pense que tu vas répondre, vu que tous les mercredis, tu nous suis. Ah, oui. Allô, ça comment ça? Ça dépend de la question, je ah, sais pas. Ah, d'accord. Comment? Ça dépend de la question. D'accord. Alors, combien de followers nous avons, combien d'abonnés nous avons sur la page Facebook Zaykonik? 7000 attentes. Non, non, tu t'es trompé, mon cher. Tu t'es trompé. C'est la première réponse qui compte. T'es pas dedans. Okay, à tout à l'heure. Vas-y, d'accord. DJ Maza, tu fais partie des DJ qu'on le voit très sérieux, son chapeau, il a son identité. Il sait qui est DJ Maza dans la vie de tous les jours. Ben, Jonathan Mazarin, hein, déjà de nom, de prénom. Et un garçon tout simple qui vit modestement. Ok, d'accord. Madza, c'est quoi ta session? C'est Madza qui écrit sur cette session-là. Parce qu'on a DJ Madza qui est là parmi nous et qui va nous faire deux, trois petites démos de son talent. Donc j'espère que de chez vous, vous pouvez apprécier ce moment de musique. Pour nous, ça sera la dernière. On va terminer l'émission en musique avec DJ Madza. Mm-hmm. Madza, c'est quoi ton domaine? S'il y a un domaine que tu domines en termes de catégorie. Comment t'as fait ça comme ça? Vas-y. En fait, moi, je suis quelqu'un qui écoute de tout. Donc j'essaie d'être dans tout, mais que ça reste difficile. Mais voilà, j'écoute beaucoup de musique, j'aime beaucoup le hip-hop. Je le mixe pas très 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 souvent, quand j'ai l'occasion. Ok. Surtout dans des lieux qui le permettent, parce que bon, c'est pas très adapté partout.
Sinon, il y a aussi la console. Je ne sais pas tout. Mais ta session préférée? Vraiment ma session préférée? J'ai pas vraiment de session préférée. J'ai pas vraiment de session préférée, mais c'est sûr qu'il y a des sessions où je suis plus à l'aise. Mais comme par exemple, mixer du pop américain, ça, c'est bien, c'est bien ça. La Dead Soul aussi, en ce moment, et après la soupe. Ok, mais tu as des transitions qui est propre à toi. On voit que tu mélanges la variété française, et ensuite il y a un son Dead Soul, un gros reggae qui sort. Pourquoi tu as choisi ce style de transition là? On peut entendre l'avion Rose et avoir le dancehall qui arrive. On peut entendre Ne me quitte pas. Voilà. Et après, tu c'est bien. Ça, c'est DJ Maza. Dès que tu entends ça, tu sais, c'est DJ Maza qui a une transition qui arrive. On est aux toilettes, le pipi, on monte, on court, on veut rentrer dans la musique. Voilà. Pourquoi t'as choisi ce style de transition? Ben, en fait, franchement, c'est. Je sais pas, mais. Ça t'est venu comme ça? Ouais, c'est venu comme ça. En fait, comme aujourd'hui, on est plusieurs DJ sur des prestations. Donc, il faut que chacun se démarque des autres. Mm-hmm. Et donc, si nous, on doit rentrer sur un set et se différencier des autres, il faut qu'on mette une patte, une touche, enfin un truc pour marquer que c'est nous. Donc, j'ai eu l'idée de faire ça une fois, vu que ça a fonctionné. Donc, du coup, j'ai recommencé sur d'autres choses. Mais. Je reste toujours sur la connivence entre chaque son. Je ne fais pas une transition pour faire une transition. Il faut vraiment que ça ait une connivence avec l'autre son, que ça ait à peu près les mêmes sonorités, ou ça joue dans les oreilles, et surtout que ça fasse réagir les gens. Ok, d'accord. Mais DJ Maza, je te laisse te préparer pendant que nous on tu prend l'appel. Je te laisse te préparer pour lancer une petite session. Il y aura encore une note. On va faire une petite session de 5 minutes. D'accord. On prend l'appel. Donc, vas-y, je te laisse te préparer. Zaykonik, bonsoir. Zaykonik, bonsoir. Allô, allô. Allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, oui, on entendait le son. Comment? Tu t'appelles comment? Daniel. Oui. Daniel, tu nous appelles d'où, Daniel? Du Lamentin. Du Marin. Du Lamentin. Du Lamentin. Du Lamentin, Daniel, excuse-moi, autant pour moi. Daniel, du Lamentin. Comment vas-tu, Daniel? T'as une petite voix, tu faisais la sieste? Non, ça va. Non, pas du tout. Pas du tout, Daniel. Alors, quel film te ferait plaisir qui est à l'affiche là, cette semaine à Madjana? Enragé, pourquoi pas? Ok, d'accord. Ben, je vais te laisser avec Chocolat. Tu viens de poser ma question? Hein? Eh bien, je te pose une question. Combien y a-t-il d'abonnés sur la page Facebook Zaykonik? 4946, non? Eh bien, voilà, tu remportes ton ticket. Ben voilà, on te remercie, Daniel. C'était 4000 idées poussières. J'ai pas le chiffre exact. Mon téléphone s'est bloqué, mais c'est à peu près ça, 4900. Bon, on te remercie, Daniel. Laisse tes coordonnées en antenne. Et on va te donner la marche à suivre pour avoir ton invitation. Ben nous, DJ Maza, t'es prêt? Ouais. Eh ben, on est là avec DJ Maza pendant 5 minutes, on revient tout de suite après. Chocolat va nous présenter Alicia et on va clôturer l'émission. The whole place weak, I want to that. You don't see it. You don't see it.
From your this DJ Maza, how can I make you get defeat? Tell them, say, so not feed it, so tell a fussy no push it. This DJ Maza, are you coughing, you are look it. Two show a line up, a promoter book it. Yellow pass, whoops, DJ Maza, hook it. Money if he makes, so tell a fussy no push it. Man, I get to you, and we know if he look it. Two show a line up, a promoter book it. DJ Maza, we never left night. DJ Maza get a shot from the tech man, rise up the reptile, but they never get fine. Yeah, this Maza, you go dead by lunchtime. Anyway we go, we never left nine. DJ Maza get a shot from the tech man, rise up the reptile, but they never get fine. Yeah, this Maza, you dead by lunchtime. Y'all set good, bandit dick, yeah. Fuck me good, sweater drip, yeah. Hood shot in a belly, hello tip, yeah. You are me sex slave, see the whip there. So go down, bunny, no. Grind up your body for Big Joe. You are the porn star for this show. Hey, y'all, break out now. You know if you break out, break out, break out, break out, y'all. Break out, break out, break out, break out, break out. And if you know some man a play, a Benz man drive, we no drive Chevrolet. The things no normal, we have we own airway. We house a belly better, we no use stairway. One dozen dollar where we get per day. Slim or fat, we no care where them stay. Martinique, y'all them top the survey. Man creep on the block, with a kiss a rose. Say me no love, me no play with people. Any boy feel like say neighbor. He get a one out of the, evil. He get a one out of the. Take your time and bend. Take your time and bend. Take your time and bend. All right then, massa. Of a new style where we call it Full 100. When we say the standing again now, some sound dead. Any sound disrespect, massa, them just dead. Them just dead. Batman, up on your style where we call it Full 100. But what's the sign name again now? Full 100. Say Mr. Alexa where you give them Full 100. See my style, I ever. Lève-toi un homme pour danser la Macarena. Fais chier les jambes, faut faire parler ton bouddha. Bouge-toi un peu, c'est comme ça Macarena. Hey Macarena. Les mains sur la jupe, ça va chauffer Macarena. Ce qui arrive, ça s'appelle du chata. Il faut que tu choques, c'est comme ça Macarena. Atual, boudong, 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 ding. Si tu petit boudong, 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 ben. Backshot, step on, bende. Faut faire ton body, big body, faire clap, clap. Body clap clap, boot body big body feel clap 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 clap, boot boot. Clap 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 clap, Yolanda. Clap 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 clap, my girl. Clap 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 clap, yo like that. Clap 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 clap, yo Peter. Yo PSL Productions. Aha. All right. Bodo. Clap 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 clap. Bodo. Clap 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 clap, my girl. Clap 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 clap, yo like that. Clap 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 clap. Bad one day, no one day now. First a fire one drop. Epic a cup, cock up. Then fight Tiki Tok. Who got the free come up, baba shop now. Come, first a fire one drop. Epic a cup, cock up. Then fight Tiki Tok. Who got the free come up. Uveko, Kaleko, Uveko, Kaleko. Show.
Les voix de vie de loin, les nains, le corps éclate franchement. J'y attends le mou pour la globale de sens, mon. Les nains y attendent le coup de basis pour l'agrément. Folle pas, ma lance, le mouvement. Yes, I. Tababattement, direct l'ambiance comme. A 10 à 24, délai, mi-wap, plus personne. Nous, allez, bim, pas, nous, rien que ça y résonne. La skip pour mon défi, la piste pour voir vraiment comment il sonne. DJ Step, là où la fédéré a déliré. Mais t'as son combat, t'as l'air comme là où la fédéré. Mais bon, si tu pas, laisse-moi rattraper ça en deux mots. Bah, dis pas, na, comment on va ça. Ah, comment on parle ça. Ah, comment on parle ça. Ah, comment on parle ça. Lose trust, white rum, fizzy pop. Where you they go, go, we they go up. Catch my vibe, let me go off. Blam the track. We have a fuck up a party tonight, you just watch. Tonight, we feel like spend some cash. Fool and events, just watch. Ben voilà, on remercie DJ Mazza, DJ Mazza. J'espère que de chez vous, vous avez pu apprécier les internautes poussés les bêtes parce qu'il y a une dernière petite session, on va terminer avec DJ Mazza. DJ Mazza, est-ce qu'à chaque fois, une soirée, c'est toujours un mix différent? On essaie de faire un mix différent. Enfin bon, il faut faire des mix différents parce que bon, il y a des clients qui nous suivent, etc. Mais on est obligé de repasser certains tubes puisque bon, ce sont des tubes et les gens viennent pour les écouter. Et donc du coup... faut les mixer différemment ou alors s'ils aiment certaines transitions, on fait les mêmes transitions. Ok, DJ Mazza, si DJ Mazza n'était pas DJ, tu serais quoi aujourd'hui? Très bonne question. Coiffeur. Coiffeur. Oui. Ok, d'accord. Ça te procure quoi quand en soirée, tu vois les gens, ils viennent s'amuser, tu es là derrière la platine, les gens t'acclament, parce qu'on va dire si vous voulez star des soirées, limite des fois les gens se déplacent dans une soirée par rapport au DJ, quel est le DJ? Qu'est-ce que ça vous procure en tant que DJ? Est-ce que vous mixez pour vous ou vraiment pour les gens qui sont sur la piste de danse? On mixe pour les gens, on va dire. On mixe pour les gens, mais surtout des choses que nous, on apprécie d'abord, certains sons. Mm-hmm. Et si on voit que les gens réagissent par rapport à ces sons-là, ben, il y a aussi des sons que, bon, certainement, bon, on n'aime pas trop, mais bon, vu que ce sont des tubes, on est obligé on les passe quand même. Mais le ressenti derrière les platines, ça fait plaisir, mais on n'oublie pas que c'est toujours un travail, parce qu'on est comme des psychologues de la nuit, on doit savoir, entre guillemets, enfin, essayer de savoir ce que la personne a en tête pour pouvoir la faire bouger. Ok, d'accord. DJ Mazza, est-ce que tu as un petit mot pour les jeunes DJ qui souhaitent se lancer, les jeunes dans cette carrière? Déjà de ne pas lâcher parce que c'est très difficile le début. Très, 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 très difficile. Bon, aujourd'hui, tu as des réseaux sociaux qui poussent les nouveaux DJ en avant. Mais c'est toujours difficile de garder le cap. Parce qu'on peut être devant, mais il y a toujours d'autres derrière, mais il faut garder le cap. Okay, d'accord. Et donc, du coup, il y a beaucoup de travail en amont. C'est toujours travailler, ne pas lâcher et ne pas se reposer sur ses acquis. Moi, j'ai une question que je me pose. Comment vous faites pour enchaîner les soirées comme ça? Bon, ces vacances-là, on est un petit peu... On va banaliser ces vacances-là. Mais quand il y a je parle par exemple des vacances de l'année dernière, vous enchaînez chaque week-end, limite chaque soir. Comment on fait? C'est quoi? Vous prenez des vitamines? Vous avez prendre soupe 3 vite? C'est quoi la recette? Parce que être là tous les soirs, là, soupe, comme ça. Soupe trip. Comment soupe vous faites? J'aime pas trop les trips, mais bon. Non, on prend une cure de... Enfin, pour ma part, je prends une cure de vitamines. Ok. Les autres aussi, en fait, je pense, ils ont leur façon de gérer. Mais moi, je prends une cure de vitamine avant parce que quand je sais que ça va être long,
Donc ça n'agit pas pendant les vacances, faut vraiment se préparer avant. Donc du coup, ça nous permet d'enchaîner, etc. Et comme on rentre tous les soirs chez nous pour repartir le lendemain, on n'a pas le temps de vraiment se poser et travailler sur certaines choses. Donc du coup, on travaille en amont. Alors justement, j'ai une question pour toi. Deux questions. As-tu une autre activité ? Non, je n'ai pas une autre activité. Et est-ce que tu as prévu l'année prochaine ou dans le futur à faire des compositions, tes propres compos ? Ben oui, ça a déjà été réfléchi. Et c'est en projet, on va dire. C'est en projet, mais il faut pouvoir matérialiser les idées. C'est là que ça reste difficile, puisque bon, la compo, c'est pas... Il faut avoir des notions en musique aussi. Bien sûr. Donc, sinon, je travaille avec des amis DJ. Mm-hmm. Et je fais partie d'un coup aussi qui s'appelle le Hold Up, Caribbean Hold Up. Il y a okay. DJ Payou et Dan Evans. Super. Okay. Dan Evans, il compose, ouais. Produit, donc ils mettent beaucoup de ce côté-là aussi. Ben, tu es bien entouré. Ouais. Malza, tu as déjà connu les plus grandes scènes en Martinique, les plus grands festivals, Bacana, les gens passent, toutes les soirées, les grosses soirées. Quelle scène qui te manque, que tu te dis, c'est un objectif, j'ai envie de faire cette scène-là, j'ai envie de... Ça serait quoi? J'ai pas encore fait la holding. Pas encore fait du tout. Donc ce serait un objectif à court terme. Objectif, oui et non. Puisque bon, moi, je suis pour le... Enfin, je me dis que si l'organisateur ne m'a pas vu dans... Je suis pas dans son collimateur, c'est que je suis pas encore prêt, en fait. Ok, d'accord. Voilà, je ne correspond pas à ce qu'il veut. Voilà, okay, mais il n'a dit pas que tu n'es pas encore prêt. Ok, d'accord. Mais Maza, tu restes avec nous. Chocolat qui est toujours là avec de bonnes découvertes. Chocolat qui va nous présenter aujourd'hui sa découverte. Je t'écoute, Chocolat. Ma découverte, ben, j'aime bien les artistes. Hein. Je ne parle pas spécialement de la musique, mais j'aime bien les jeunes qui font des personnalisations d'accessoires, de vêtements ou de bijoux. Et j'ai découvert Alicia. Donc, c'est une fille qui personnalise les t-shirts, les casquettes, même les gobelets, si vous voulez personnaliser. Moi, bon, j'ai personnalisé, j'ai fait un gobelet chocolat. Lili, au téléspectateur, qu'est-ce qu'il y a après? Arrête de mentir. Pas mon doyen. Arrête de mentir un peu. L'embêtant chocolat. Les t-shirts antillais. Voilà, donc si vous voulez, par exemple, pour un anniversaire ou bien, je sais pas moi, tu veux faire un truc, tu veux recevoir des amis. Tu fais ta petite team, par exemple, tu peux faire des gobelets, tu vois, en mettant ce que tu veux dessus. Un t-shirt, tu vas avoir ton propre, je sais pas moi, tu as marqué Claudie. Mm-hmm. Pensez à Alicia, donc c'est Alicia et Axel. Axel de Full Style, vous pouvez regarder les deux pages sur Insta. Donc c'est Full Style, F-U-2-L. Un très beau t-shirt, et en tout cas. Alicia, franchement, c'est super bien ce qu'ils font. Et si vous aimez avoir un style à vous, ben, voici Alicia, une jeune fille. Très bosseuse, hein, parce que je ne vais pas mentir. Et où est-ce qu'on passe comment de Alors, voir sur ce qui Instagram, se fait on C'est passe... quoi l'Insta? Alors, A-A-R-T, plus loin d'Icia. Ok, d'accord. Voilà. Et Full Style, Axel. Donc, ils sont deux jeunes. Donc, okay. C'est en love, comme un cabayo, parce que j'ai bien persécuté pour avoir ma timbale. Ce n'était pas évident. Donc, c'est à nous de ramener la timbale ou vraiment non, tu achètes le gobelet? Non, c'est fourni. Après, okay. tu peux ramener tes propres, je ne sais pas moi, ton matériel, par exemple, une coupe. Elle fait okay. aussi les coupes. Okay, ça, d'accord. pour les mariages, donc, anniversaire, c'est super. Personnalisation de gobelets, même anniversaire. Pour offrir, hein. Okay, tu d'accord. peux offrir, par exemple, à une personne son propre verre, marqué, par exemple, Claudie, un an de plus. C'est super génial. Donc, un petit coucou. Merci, Alicia, pour ton gobelet. Pour tout ce que tu fais, c'est important. Au moins, ça prouve qu'il y a des jeunes, eh ben, ils ont, qui osent et qui ils font. Ont osé faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils ont osé montrer qu'ils existent aussi et donc, un coucou à elle et à lui. Voilà. Et dans l'actu média, vu le monde des Miss, il y a eu beaucoup d'actualités. Est-ce que tu as vu la polémique qu'il y a eu par rapport à l'élection de Miss Guadeloupe qu'il y avait ce week-end? Je préfère te laisser donner ton avis. Mais voilà, il y avait une candidate qui a été évincée de l'élection au titre parce qu'elle avait posé
on va dire entre guillemets, seins nus, alors que c'était du body painting. C'était une campagne de lutte contre le cancer du sein, Octobre Rose, que nous-mêmes, des fois, on participe en mettant un t-shirt rose. Donc voilà, elle a été évincée. Ensuite, il y a la directrice qui a réagi après. Ça fait pas mal de polémiques. En plus, c'était une belle candidate. Parce que moi, j'ai déjà vu les photos avant. Je m'étais dit, ah, moi, je suis pour elle. Et je suis sûr, avec toute la révolution là, qu'il y a là, la fierté noire, la recherche d'identité, je suis sûr qu'elle serait passée. Les gens auraient voté pour elle. Donc voilà, je pense que les Noirs n'ont jamais été aussi solides en ce moment que... Et voilà, donc il y a une lettre ouverte des Amazon pour expliquer ça. Il y a Sylvie Tillet qui est restée muette pendant un moment. Ensuite, elle a fait un communiqué. Ensuite, elle s'est repris dommage parce qu'elle a quand même dit qu'elle soutient la cause. Mais elle a fait comprendre en gros si la cause était avant, envoyé les photos avant. Peut-être qu'ils auraient pu réfléchir à ça. C'est vrai que c'est dommage, mais en tous les cas, c'est un bon... Très bon coup médiatique parce qu'elle est pas sous tous les grands médias nationaux, M6, BFM TV. Donc j'espère pour elle que si elle souhaite se lancer dans la mode, ça va lui ouvrir des portes. Mmh. Et puis on lui dit de ne pas abandonner son projet. Et donc voilà, toi, chocolat, choqué ou pas choqué? Sincèrement, déjà, tout ce qui se passe là, chaque fois que je vois une vidéo sur le racisme, tous ces trucs-là, ça me prend à la gorge. Donc je préfère pas. Est-ce que. T'as pas donné ton avis? Moi, mes mots sont trop osés. Non, et ça m'avait embêté parce que. Non, mais est-ce que toi, la photo t'a choqué, oui ou non? Sincèrement, non. Non. Je vais pas mentir, non. Non, parce qu'après, Sylvie Tillet a dit que la photo ne l'a pas choqué, mais en fait, comme il y a un règlement qui dit de ne pas poser ses nuits, ils n'avaient pas assez de temps, entre guillemets, pour débattre de ça. Mais jamais tu vois la photo, tu réagis tout de suite. On te dit c'est pour quelque chose. Mais bon, voilà, mais bon, dommage. On espère qu'elle se présente l'année prochaine, je sais pas, ou sinon de poursuivre ses rêves. Ce qui est dommage, c'est que quand tu fais quelque chose, malheureusement, ça reste dans les archives, hein. Voilà. Ça reste là, et même si tu restes 10 ans dans ton coin, ben c'est là quand même, tu vois. Donc, ça DJ Maza, est-ce que tu as vu la polémique? Non, j'ai pas vu, pas du tout. DJ Maza, ni tu envoies un message, il te répond 3 ans après. Le gars, c'est un homme d'affaires, le gars, disque à veille chocolat. Bon, en tous les cas, messieurs, avant de se quitter, je voulais faire des remerciements vraiment à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis le début. Qui sont là tous les mercredis, nos fidèles téléspectateurs, tous ceux qu'on rencontre dans la rue, tous les artistes, toutes les associations qui sont venues, tous les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, tous les jeunes, je ne sais pas qui j'oublie, vraiment tout le monde aussi, l'équipe de Zouk TV, M. Grani de nous donner l'opportunité d'être là. Yannick qui était là parmi nous pendant la saison, François aussi, les techniciens. J'ai oublié son prénom, Grégory, qui vient de nous rejoindre. Manuela aussi, qui nous aide. Vraiment, l'équipe de Zouk TV, un grand merci à vous pour l'espace que vous nous donnez. Mais aussi Zayactu, la team Zayactu, Sullivan et son épouse. Vraiment, un grand merci à vous. Je remercie Sullivan et tous les autres. Et aussi Stéphie et Charlène, qui sont plus là. Mais elles sont là avec nous par la pensée, dans le cœur. On vous remercie. On remercie. Moi, je tiens à remercier Chocolat parce que je vous promets, c'est difficile de travailler avec Chocolat. Elle est chiante, mais bon, elle a quand même un bon fond. Elle veut bien faire. C'est pas facile. Vous savez qu'on travaille avec des humains. C'est pas facile. Il faut s'adapter. Mais en tous les cas, un grand merci, Chocolat. Merci parce que grâce à toi, on a reçu pas mal d'invités. Tu te démènes. Je te dis la vérité. Tu te démènes vraiment. Merci beaucoup. On a passé une très bonne saison. Avec des hauts et des bas, on espère que l'année prochaine, avec la nouvelle équipe, on pourra vous proposer un contenu encore plus au top, vous proposer des choses nouvelles. Et je ne sais pas si j'ai oublié des gens, des personnes, je ne sais pas. Chocolat, toi? Alors, tout d'abord, avant de te tuer en direct, j'avais un message à faire passer. Avant de me tuer? Oui. Maman. J'ai un message à faire passer de la part de Sophie, des Abîmes. Pour Claudie. Aïe, 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 Sophie de la Bible, j'écoute. Claudie, en fait, elle a essayé d'appeler plusieurs fois. Aujourd'hui, mais apparemment, tout le monde veut aller au cinéma, donc elle n'a pas pu prendre ton appel. Okay. Donc, elle tenait à te dire, je ne vais pas lire tout ce qu'elle a envoyé, parce que c'est trop, et puis ça ne vient pas de moi, donc des mots aussi profonds. Arrête, tu te fais cacher derrière une Sophie, et puis comment? Tu voulais me faire passer un message. Regarde, dis, oh là là, c'est très ému. Non, en fait, en gros, Sophie te dit qu'elle te kiffe, que ça fait des années qu'elle te suit sur les réseaux sociaux, et elle est tombée sous ton charme, elle aime beaucoup ton style, donc elle voulait te le dire là, c'est dommage. Donc, Sophie, j'ai fait passer le message, j'espère que tu auras le cran de dire... Il lui a encore du temps, elle peut appeler encore, elle peut encore appeler. Claudie sur Insta, il est facile à trouver, tu peux le contacter. Sinon, moi, alors, je tenais à te remercier de ta patience, parce que je sais que je suis quand même une femme à fort caractère, je ne suis pas facile à vivre,
J'ai beaucoup de tempérament, mais au fond, t'as vu, je suis super cool comme fille. Un peu olé olé, mais ce fut un faut très juste grand... la canaliser. Il faut me canaliser. Ouais. Dès qu'on me canalise. Ouais, voilà, c'est une histoire de canalisation. Voilà, je monte, mais après, quand on me canalise, ça se passe bien. Ouais. Non, tiens, franchement, très bon collègue, tu es cool. Et puis chacun apporte à l'autre des idées. Et puis, j'espère qu'on va continuer comme ça, qu'on va arriver très loin. Et puis, on va rester un mois sans se voir, mais on a les téléphones, réseaux, voilà. On va s'appeler, wesh. Ok. Et donc, je remercie également Walid. Je remercie tous les partenaires qui nous ont. Soutenus, voilà. Qui nous soutiennent et qui sont prêts à continuer avec nous. Tous les organisateurs de soirée qui nous ont donné des tickets à faire gagner. Les organisateurs de soirée, merci. David, etc. David, Desmontil, tout le monde, vous êtes trop nombreux, mais en tout cas, merci parce que même pendant les vacances, c'était pas évident, il n'y avait pas beaucoup de soirées, vous avez été quand même là avec nous. Donc, on vous remercie et puis on a hâte de reprendre avec vous au mois d'octobre. Voilà. Et aussi toutes les boutiques qui nous ont donné des tickets, les instituts, vraiment, vraiment, merci à vous d'avoir joué le jeu. On espère l'année prochaine revenir avec plus de cadeaux. Remercie aussi les téléspectateurs qui nous ont appelés durant les émissions pour les différents témoignages, ceux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la France, de Métropole qui nous regardent, et aussi Mamie Simone qui nous regarde tous les mercredis. Ceux de Trinité, il y en a tellement. Je me rappelle de... La pointoise qui était venue et qui était venue avec plein de petites choses, Yasna, des quiches que les gens, Yasna qui était venue, les gens du Nord, toutes les personnes du Nord qui avaient contribué à cette participation-là. Mais aussi vraiment du fond du cœur, je vous remercie, les vacances sont presque terminées. Je souhaite à tous une bonne rentrée, préparez votre rentrée. C'est vrai que c'était une année exceptionnelle. Exact. On espère que 2021, et j'espère que pour décembre, même à la reprise, on va en finir avec cette histoire-là de masque, de parler du Covid, voilà. Mais pour l'instant, le Covid est toujours là, donc protégez-vous. Le port du masque, n'oubliez pas, c'est obligatoire. N'allez pas vous chercher des problèmes. C'est la dernière ligne droite des vacances, donc je pense que les dernières sorties. Exactement. Consommez avec modération, petit chapeau, panier bobo. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Une question pour Madza. Si vous voulez retrouver Madza, Madza, peux-tu dire où est-ce qu'on peut te trouver pendant la dernière semaine des vacances, si quelqu'un veut danser sous tes mix? Alors, la dernière semaine des vacances. Alors, pour ma part, demain soir, je suis au Sunset. Mm-hmm. Et dimanche, je serai au Windies. Voilà. Okay. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, DJ Madza. Facebook personnel, Jonathan Madza. Et sur Insta, c'est DJ Madza 972. Ok, voilà, ben merci, hein. Je sais pas si j'ai dit merci à Sophie, gros bisous, et puis check moi sur Instagram. Donc voilà, ben on termine avec DJ Madza, DJ Madza, le plateau c'est à toi, vas-y, fais ce d'accord. que tu veux, renverse-le de chez vous, profitez, poussez les meubles de côté, mettez le petit short, lâche tes cheveux, expose ta graisse, on est là, on est en famille, donc voilà. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dao yami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze. Si madame la. N'étale pas la case, les faits comme Eras, Olier occupe son ménage, mais sa quête va s'atteler, ton bouc va qui tatouer, à ce pays en prise, RSA pour qu'on pète. Faut qu'on vire. Allez, get ça, yeah. Get ça, get ça, get ça. Allez, loup coco. Allez, get ça, yeah. Get ça, get ça, get ça. Allez, loup coco. Allez, get ça, yeah. Get ça, get ça, get ça. Allez, loup coco. Allez, get ça, yeah. Get ça, get ça, get ça.
can't fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the school, I can get them both, I don't wanna choose. And I'm quick, cut a nigga off, so don't get comfortable. Qu'est-ce que c'est, trop bon la vida. Et je paye tout avec une. Et dire que j'ai vu ce qu'il peut, j'étais à deux doigts de prendre des années de terre. Mais maintenant elle veut te baiser avec moi. Sans demander mon avis. Pas du tout les mêmes trucs qu'avant. Avant c'était la merde, si tu savais. Je suis à Phuket, au bord de la plage. Elle masse le dos, elle masse les pieds. J'ai la Rolex, le noir piqué. Sur mon bras droit, sur mon bras gauche. Je suis tout en Nike, pas d'habit luxe. Par de TM, voiture de luxe. Je suis au volant de la RR. J'ai des étoiles au-dessus de ma tête. Et rien n'a changé, je suis dans le bendo. Sucre de rempli de crachat et de mégots. Tu donnes caca tout blanc, tout neuf, père neuf. J'peux même sauter sur mon capot. J'suis dans le truc, sa mère la pute. J'fais plus rentrer qu'un gros 6 de stup. Et moi j'suis toujours dans le bloc sa mère. J'découpe la casquette, mets-toi sous le tech-tech. Maintenant c'est toi qui gère. Fais pas trop l'ancien, tu touches à 35. Je sais que tu amènes R. Si demain j'investis, combien je récupère. Tu me vois comme un autiste. We'll be right back.